fête du mouton, appelée fête du sacrifice, est célébrée le 12e mois du calendrier égérien, qui est aussi le point culminant du pèlerinage à la Mecque. Pour ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage, cette fête est marquée par une prière suivie par le sacrifice d'un animal. Pour ceux qui se trouvent à la Mecque, le sacrifice constitue le rite final du pèlerinage. La fête du mouton commémore le sacrifice par Abraham d'un bélier dont Dieu a décidé qu'il compensait le sacrifice qu'Abraham projetait de son fils, comme le rappellent les versets 102 à 107 de la sourate. Et la fête du mouton est la plus grande, et celle-là aussi, elle matérialise, n'est-ce pas, l'unicité de Dieu, car elle est organisée, elle est marquée par l'offrande qui est, n'est-ce pas, un mouton ou une bête que Dieu a prescrit, n'est-ce pas, à tout musulman qui a la capacité de, n'est-ce pas, de l'offrir à ce Seigneur. Et c'est depuis, n'est-ce pas, notre ancêtre dans l'unicité de Dieu qui est, n'est-ce pas, le prophète Abraham, celui-là que Dieu l'avait ordonné de sacrifier son fils Ismaël à la place, n'est-ce pas, son fils Ismaël, puisqu'il avait promis à Dieu, n'est-ce pas, de pouvoir sacrifier un fils si jamais Dieu l'aurait donné. La prière est la première chose à faire en ce jour de fête avant le sacrifice. Pour être Aladi, il faut aller d'abord au pèlerinage à la Mecque. Vous quittez pour aller à la Mecque. Si vous arrivez et que la prière est déjà arrivée, vous commencez à la Mecque, puisque vous faites le travail, tout le travail à la Mecque qui est obligatoire pour être un élage. Vous vous purifiez, c'est toujours à la Mecque. Et à Médine, là où le prophète est là, vous ne pouvez rien faire sans lui visiter, parce que c'est lui le promoteur de l'islam, qui a amené l'islam, tout dépend de lui. Dieu a dit que si tu fais le vendredi 40 fois sans manquer, ayant rempli les conditions, tu es un élage. Quelles sont les conditions? Il faut le bain de Jouma, comme aujourd'hui, on doit faire le bain. On doit se laver avec l'intention que je m'en vais faire le jugement. Mais c'est ça. S'il part à la Mecque, c'est qu'il est devenu à l'âge. Mais on l'appelle pas à l'âge, on l'appelle Aja. Parce que à l'âge, c'est le nom des hommes. Et Aja, c'est pour les hommes. Malgré que c'est la fête, il y a les choses à ne pas faire. Pas recommandé, c'est les choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas profiter parce que c'est la fête, se retrouver dans les endroits où les actes sont prohibés, tels que les bars, les boîtes de nuit et autres. Difficile de parler de la fête sans ce qui accompagne ce moment de joie des fidèles musulmans. D'abord, l'habillement. Ici au marché central de Kiyosi, région du Cameroun, les couturiers s'activent pour donner une touche particulière aux différentes tenues. Les prix varient selon les modèles choisis par les clients. Ça dépend. Il y a les longs boubous là, comme vous voyez l'autre qu'on a repassé là. Oui, on fait ça à 10 000, il y a même pour 12 000. Bon, comme les mondes arabes, il y a les mondes arabes de 15 000, 10 000, ça dépend des modèles. Les modèles, on les donne les prix, il y a les autres, ils viennent avec les tissus, on les monte les modèles, ils choisissent, on les donne les prix. Même les femmes font les tenues taillées sur mesure avec les différents modèles. La femme, si elle est musulmane, elle est obligée à fêter, à aller même faire la prière le jour de la fête. Son occupation à la maison, c'est de préparer, bien s'habiller. La femme doit s'habiller en pagne, mettre la voile confortable, quoi. Pour les modèles des femmes musulmanes, c'est les pagnes. Il doit bien porter les pagnes avec les hauts, deux pagnes, se couvrir avec l'autre pagne, attacher l'autre.
pour aller à la prière. Que puis pour les ensembles de pain, si c'est le pain simple comme ça, là on peut prendre même peut-être à 3500 comme les temps sont durs. Si c'est pour les pains qu'il faut doubler, si c'est les ensembles qu'il faut doubler le pain et le haut, on peut prendre même 4500, 5000. Oui, ça dépend du modèle. Le mouton est l'élément catalyseur de cette fête à un jet de pierre de la frontière Cameroun, Guinée équatoriale et Gabon, le marché du mouton. À chacun de faire son choix. Les bergers se frottent la main. Avant, ça ne passait pas bien, mais maintenant, ça passe bien. Oui, le prix de cette année-ci est un peu bon par rapport à l'année passée. Oui, parce que l'autre, ça se vend à 85. Si c'est gros, même à 90. Oui, ça se vend comme ça. Et le dernier, ça se vend à 60. Une fête de la Tabaski placée sous le signe de la paix et du vivre ensemble dans un Cameroun uni et indivisible.